Je me couche toujours trop tard, donc quand c'est l'heure de me lever le matin, ça me prend plusieurs minutes à littéralement m'extirper hors du lit avant de commencer à me préparer. C'est vraiment pénible et décourageant pour moi les matins. J'ai pas beaucoup de temps le matin, donc souvent je vais venir réduire mes soins au minimum. En général, j'applique toujours un tonique pour rafraîchir ma peau rapidement. Et évidemment, après, on n'oublie pas de venir hydrater notre peau. Puis ces temps-ci, mon duo préféré, c'est la crème pour les yeux et la crème hydratante de Olay Fresh Effect. Je les ai reçus, ça fait un petit moment, puis c'est vraiment le combo parfait pour le matin. C'est frais et ça nous donne un air plus réveillé. Ensuite, je vais mettre mes verres de contact parce que j'en ai besoin pour voir. Et finalement, je vais appliquer mon shampoing sec de chez Baptiste. Ça va vraiment plus vite quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux le matin. Le matin, pour moi, c'est toujours la course à savoir quoi mettre. C'est une des parties les plus difficiles, autre que me lever de mon matin. Et comme je suis pas très organisée, mes vêtements traînent toujours partout et je fous le bordel en cherchant. Donc, ça me prend une éternité à finir par trouver quoi mettre. Et là, vous allez remarquer que mes deux chaussettes sont pas pareilles parce que la vie est trop courte pour chercher des bas identiques le matin. Après ça, je vais me diriger vers la cuisine pour manger parce que j'ai toujours ultra faim le matin et cette journée-là, ben, je suis restée dans le très simple avec un verre de lait, un sandwich au beurre d'arachide et des fruits. Mais si jamais vous cherchez des idées de petit déjeuner, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines, fait que si ça peut vous inspirer, vous pouvez aller regarder ça. Et pendant que je mange, ben, je vais aller faire le tour de mes réseaux sociaux parce que si je le faisais pas, ma routine ne serait vraiment pas réaliste. Donc vous pouvez venir me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Une fois que j'ai terminé de manger, je vais aller me brosser les dents. En général, je garde mon maquillage vraiment simple quand je vais à l'école. C'est un mélange de j'ai pas le temps et je suis trop paresseuse. En tout cas, je trouve que ça vaut pas la peine d'en faire trop. Donc, je mets fond de teint, poudre, blush et mascara et ça ressemble pas mal à ça. Et à ce moment-là, comme à chaque matin, je regarde l'heure et je me rends compte que si je m'active pas, je vais être en retard. Donc, je vais venir faire mon sac d'école hyper vite et je vais mettre le nécessaire. Donc, mon agenda, mon cahier de notes, mes crayons, mon portefeuille, un gel antibactérien et un baume à lèvres et mon téléphone, évidemment. Puis, c'est à peu près tout. Et une fois que j'ai terminé mon sac, je vais mettre mes souliers, mon manteau aussi parce qu'au Québec il fait encore froid. Je vais prendre mes clés et je vais embarquer dans ma voiture. Par contre là j'ai remarqué qu'il me restait un petit peu de temps donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit arrêt au Starbucks. Fait que c'est là que je suis allée et j'ai pris mon fameux thé Passion Tea Lemonade parce que c'est vraiment mon préféré pour le printemps. Et c'est ça qui va me tenir compagnie sur la route le temps que je me rende à l'école. Puis souvent il y a de la bonne musique fait que c'est ceci qui arrive, je me mets à chanter. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de faire un pouce bleu si c'est le cas et nous on se revoit bientôt. Bye!